Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du pack de février pour le jeu Project Cars, pack baptisé US Car Pack, disponible pour 3,49€ sur les différentes plateformes dédiées Steam, PS Store et Xbox Live. Première des 5 voitures à être passée au crible dans cette présentation de pack, l'Aston Martin V12 Vantage GT12. La version survitaminée de la V12 Vantage, ici présentée sur la piste de Monaco. Les envies de déraper ne vont pas manquer et les dérapages contrôlés vont s'enchaîner sur les petites pistes, mais très vite, vous allez ressentir le besoin d'aller au grand air et là, direction les pistes de Spa-Francorchamps ou encore du Mans pour assouvir vos envies de vitesse, car on se sent très vite à l'étroit avec cette voiture qui a une vitesse de pointe absolument énorme. Agile, efficace, avec une bonne répartition de masse, cette Aston Martin est vraiment une petite bombe et en plus c'est gratuit, foncez! Deuxième bolide de ce pack 100% USA, la Dallara DW12 IndyCar, conçue avant tout pour la sécurité des pilotes suite au décès de Dan Weldon lors de la dernière manche de la saison en 2011. Cette voiture a fait ses débuts en 2012 et a depuis été gardée par la réglementation IndyCar. Elle a évolué au fil des années et en 2015, ce sont de nouveaux packs qui sont venus changer la physionomie aérodynamique des voitures. Pour la saison 2016, de nouvelles initiatives ont été prises pour l'aérodynamisme afin d'améliorer la sécurité. En attendant, cette voiture donne vraiment envie de s'éclater, mais uniquement sur les pistes rapides. Et c'est là que le premier souci se fait sentir avec ce pack US, c'est le manque cruel de pistes ovales dans Project Cars.
Aussi impressionnante que l'IndyCar, mais un petit peu plus axée GT. Voici la Corvette C7R qui fait ses débuts sur la piste de Watkins Glen, bolide attendu depuis de longues dates dans Project Cars. C'est vrai que l'ancienne génération de Corvette ne faisait pas le travail, il fallait ramener tout ça au goût du jour et cette C7R fait parfaitement le boulot. Petit bijou de technologie avec son moteur pur américain, elle va vous donner beaucoup de plaisir sur les pistes à enchaînement rapide comme par exemple cette piste de Watkins Glen. Ou encore le Sonoma Raceway, tout simplement parce que c'est une piste de moteur et que c'est ce qui convient le mieux à cette belle GT qui va vous faire passer de belles heures en multijoueur et qui va rapidement vous faire oublier ses consoeurs parce qu'elle est très performante et très intéressante pour partir d'un setup de base. Vous allez travailler, vous allez l'améliorer et elle va ensuite eh bien, vous répondre du donnant-donnant. C'est une voiture très facile à comprendre dans son comportement et elle va vous apporter beaucoup de plaisir. Thank you.
Avant-dernière voiture de ce pack, la Ford Fusion Stock Car, ou NASCAR si vous avez les droits de la licence, ce qui n'est pas encore le cas pour Project Cars. Le souci de cette voiture est le même que pour l'IndyCar, le manque de pistes ovales. On aurait aimé Indianapolis, pourtant présent lors du développement du jeu, mais on va devoir se contenter des circuits routiers du championnat NASCAR en attendant une éventuelle venue de pistes plus importantes comme par exemple Daytona ou Indy. Cette voiture n'est pas pour autant inconduisible, elle se débrouille bien sur ce genre de piste large avec beaucoup de courbes. Reste à faire le setup nécessaire pour la garder entre vos mains, sinon eh bien, le train arrière va s'amuser à vous échapper à chaque fois que vous allez toucher les freins. En attendant, c'est une des voitures que j'ai retenues dans ce pack et qui m'a apporté le plus de nouveautés en termes de sensations dans Project Cars. Une voiture qui avait été également disponible pendant le développement et retirée par la suite. Sincèrement, elle nous fait rapidement oublier sa grande sœur des années 80 et je pense que bon nombre de ligues vont rapidement l'adopter une fois les pistes adaptées mises dans le jeu. Dernière voiture à vous présenter dans ce pack 100% US, la Cadillac ATS VR GT3, voiture qui a depuis de nombreuses années fait ses preuves aux États-Unis dans les différents championnats GT. Elle débarque dans Project Cars pour le plus grand plaisir des fans américains de la catégorie. Personnellement, je l'ai plus ressenti comme une DTM nouvelle génération surboostée, peut-être par son apparence et son châssis. En tout cas, elle m'a apporté beaucoup de plaisir une fois les quelques réglages effectués et un petit peu de souplesse apportée au comportement de la voiture au niveau des suspensions. Ça vous permet ensuite de profiter de toute la richesse de ce moteur qui a de quoi vous donner du plaisir. Sincèrement, je retiendrai comme voiture de ce pack d'abord la Ford Fusion, mais ensuite cette Cadillac qui est pour moi la bonne surprise, voiture que je n'aimais pas de prime abord. Et au fur et à mesure des tours sur cette piste de Silverstone et également sur la piste Bugatti, eh bien je me suis bien éclaté. En tout cas, ce pack vaut, je vous le rappelle, 3,49€. Il est disponible sur les différentes plateformes et c'est une très bonne opportunité pour vous si vous aimez ce type de voiture des catégories GT. Ce pack, c'est celui qu'il vous faut.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir suivi cette petite présentation des différentes voitures ajoutées en ce mois de février dans Project Cars. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. Bon amusement les amis, ciao !